Et salut tout le monde, ici Legend. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 en zombie pour vous expliquer comment améliorer la ventouse. Alors tout d'abord, on se retrouve donc à la machine de la mort. On va l'activer une fois. Donc la pièce sera soit au-dessus là où je vous montre, qui elle clignote d'ailleurs, soit elle sera derrière vous, derrière le téléporteur. Donc ça sera soit le téléporteur de gauche, soit le téléporteur de droite. Donc là vous voyez, elle est derrière vous, donc il va falloir aller prendre le téléporteur de droite, celui-là qui est au-dessus de double coup. Donc voilà, là nous avons la première pièce. Donc là on se retrouve pour la deuxième pièce à la fusée. Alors il faudra attendre que le petit voyant rouge clignote en vert, enfin se met en vert, et il faudra appuyer sur carré pour l'activer. Donc ensuite il faudra taper un sprint pour rentrer car il n'y a pas beaucoup de temps, et faudra aller au deuxième levier ou à côté du téléporteur. Donc faudra attendre que le troisième voyant qui est en rouge se mette en vert, et il y aura marqué maintenez carré pour activer la manivelle. Voilà, donc maintenez pour activer la console. Voilà, vous activez la console et dans le téléporteur il y aura donc la deuxième pièce. Vous la récupérez bien sûr. Donc là nous passons à la troisième pièce qui se trouve dans le Panzer, le premier Panzer qui spawn dans la map. Donc il faudra tuer le Panzer. Je précise, quand le Panzer se plie comme ça, c'est qu'il est faible et faut lui mettre une flèche directement si vous voulez le tuer plus vite. Donc on récupère la troisième pièce. Voilà, et nous allons aller construire les DG4. Donc là, on construit les DG4, les Ragnarok ou les points de choc. Voilà. Et nous allons nous retrouver au clocher où il y a la flèche de feu. Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez poser vos DG4 avec la touche de gauche, la gâchette de gauche, ne vous trompez pas. Voilà. Devant l'horloge, hein, bien sûr. Donc, comme vous voyez là, on a activé l'horloge et de l'électricité dessus. Donc vous allez aller à la console qui est juste en dessous de l'escalier, voilà, et appuyer sur carré. Donc ça va l'activer. Vous voyez, elle bouge. Donc une fois qu'elle bouge, il faudra attendre qu'elle soit sur 9h35. Il faudra exactement la mettre à 9h35 comme le groupe 935. Vous voyez, et 9h32 ou 34. Donc vous voyez, là je vais devoir activer rapidement la manivelle. Donc activer et la désactiver directement. Voilà. Et elle sera à 9h35. Donc je répète comme groupe 935. Donc voilà. Donc ensuite nous allons descendre à la pyramide. Et il y aura une petite boule bleue comme ça. Donc cette boule bleue permet de se repérer. Donc ça veut dire que vous aurez réussi. Il faudra courir sur le mur. Sur les 4. Donc là on avait un. Donc c'est le 2. Celui-là, c'est le 3ème. Et en face, c'est le 4ème. Donc voilà. Je touche le 4ème. Alors on va être téléporté dans la salle noir et blanc. Sur votre gauche, à côté du téléporteur, il y aura cette petite ventouse. Vous la récupérez en appuyant sur carré. Et donc là on a la ventouse. Donc vous pouvez pas l'utiliser avec l'arc, il faut avoir une arme dans les mains, je précise. Donc ensuite là on a la dernière étape du secret contre la sorcière. Donc vous allez vous poser la question pourquoi je vous ai emmené là. À la base je suis censé vous dire comment améliorer. En fait on l'améliore pas, enfin on l'améliore mais que pendant 2 minutes. Donc le premier de vos 4 qui aura tué un Panzer aura la ventouse améliorée. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc j'ai vaincu la sortie une fois ou deux fois, je sais plus. Donc là il y aura les Panzers. Donc c'est très très utile pour le pour la dernière étape du secret. Bien sûr, n'oubliez pas de descendre avec les fusées à pompe, c'est important. Voilà.
Donc là, j'avais tué un Panzer. Donc c'est moi qui a obtenu la ventouse améliorée. Donc vous voyez, quand je cut, ma ventouse est en feu. Donc je vous mets un petit ralenti pour vous montrer que ça one shot bien. Voilà. Ok, one shot. Pensez à bien être au milieu quand la sorcière vous balance les pièges. Au milieu, là, elle vous touche pas. Vous voyez, c'est pas des conneries, il y a one shot bien les Panzers. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager ou mettre un like. N'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est important, les abonnés. Et voilà, voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis bye tout le monde.